Anna dormait paisiblement dans son lit. Mais dès qu'elle ouvrit les yeux, quelque chose d'inexplicable se produisit. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le monde se mit à tourner et Anna devint pauvre en un instant. Dessine un corset sur du tissu noir. Enfile le haut et peins des ornements floraux. La robe est usée. La jupe aussi a été transformée. Elle est toute trouée. Elle voulait mettre ses sandales à paillettes. Mais la pauvre doit porter des bottes maintenant. Au moins elles sont super confortables. Bonjour l'oiseau, tu veux bien me chanter une chanson? Bon, je le prendrai pas personnellement. Oh, il commence à faire froid. Super, ça va me tenir chaud. Mais c'est toujours pas assez chaud. J'ai une idée. De l'herbe pourrait m'aider. C'est pas mal. Génial, un feu. Je vais pouvoir me réchauffer. Oh, quelqu'un a essayé de brûler ces magnifiques rubans. C'est mon jour de chance. Ils ont pas brûlé du tout. C'est une bonne journée. La riche Elsa confectionne des tenues avec les plus beaux tissus. Découpe deux silhouettes identiques. Ouais, cette tenue de créateur avec sa ceinture scintillante lui va comme un gant. Elle a une cape en tulle sur les épaules. Complète sa tenue avec un tour de cou. C'est impossible de quitter Elsa des yeux. Le bal du couronnement est sur le point de commencer. Les invités sont tous déjà là. Vous m'attendiez? Mademoiselle, permettez-moi. Le moment est enfin arrivé. Elle fut couronnée. Vive Elsa! Fabrique une luge avec des brochettes en bois. Joins les brochettes horizontales avec des brochettes verticales. On n'a plus qu'à les peindre pour que ça ressemble à du vieux bois. Hé hé, maintenant cette luge sera super pratique. Il y a tellement de neige, ça me donne envie de m'amuser. Oh, Christophe, t'arrives au bon moment. Je peux t'emprunter cette luge? Je vais te tirer. C'est parti! Maintenant, c'est à mon tour de tirer. Ok. Oh oh, t'es lourd! Hey! Vous voulez bien nous tirer? La luge est pas très stable. Mais on est toujours prêt à s'éclater. Oh! On va laisser ça là si quelqu'un veut monter dessus. Moi d'abord! Utilise un élément en plastique. Découpe un morceau de plastique d'une bouteille de détergent. Demande à tes parents de t'aider. Complète le véhicule avec un pare-brise, un panneau de commande, un volant et de la déco. Décore la motoneige avec le mot « Frozen ». Ce magnifique véhicule est high-tech! Oups, j'ai eu un petit accident. Hey. Elsa, ça va? Je me sens pas très bien. Je te vois trois fois. Brrr. La reine reprit enfin ses esprits. Laisse-moi conduire cette fois. Ça marche. Ouais, c'est parti. Anna vint voir son jardin. Cette année, son travail a porté ses fruits. Elle a pris soin du jardin. Et maintenant, elle n'arrive même pas à porter toute sa récolte. Oups. T'es libérée, bébé. Prends une carotte. T'as quoi dans les branches de l'arbre? Oh, un super tissu. Je vais l'apporter à Lalilou. Du tissu et des branches? Voyons comment on peut s'en servir. Hop. Et le tissu est décoré d'un imprimé. On a préparé un repas avec tout ce qu'on a trouvé. Enveloppe toute la nourriture dans le tissu et accroche-le sur un bâton.
Maintenant, ce sera facile pour Anna de le porter sur son épaule. Je pourrais cuisiner quelque chose de délicieux avec ces ingrédients. Mais pour l'instant, l'éléphant, aide-moi à rassembler toutes mes affaires. Ce morceau de polystyrène s'est séparé en trois cercles parfaits. Recouvre les étages du gâteau avec de la pâte à modeler. Saupoudre-le de neige artificielle. Le gâteau est décoré avec des flocons de neige scintillants, des perles et de magnifiques cristaux en caramel au sommet. C'est l'anniversaire d'Olaf aujourd'hui. Elsa lui a préparé une surprise. Allez, fais encore quelques pas. Ouvre les yeux maintenant. J'espère que c'est pas une mauvaise blague. Waouh, incroyable! Assieds-toi. Cette journée est pleine de surprises. C'est magnifique! Elsa décida de faire une blague à son copain. Une fois que le gâteau fut apporté, la reine en profita pour pousser son nez carotte dans le gâteau. Joyeux anniversaire! La fête peut continuer! La pâte à modeler peut prendre n'importe quelle forme. Fais preuve d'imagination. Fais une couche de fromage frais. Superpose plusieurs couches. Et au sommet, hop! La boule s'est transformée en trognon de pomme. L'éléphant, merci pour ton aide! Hey! Je t'attends depuis des lustres! Hé, il y a quoi dans ce paquet? Olaf, attends! Je vais tout préparer. Ok. Apporte une poêle. C'est pour un gâteau. Wow! La première crêpe est pas top top. Je vais la mettre à la fin. Oh non! J'ai brûlé toutes les crêpes! Oh! Si je peux pas faire de gâteau avec, alors je vais en faire un biscuit et couper les bords brûlés. Olaf, maintenant à ton tour de cuisiner. Ok. Waouh, ce glaçage est si fin! Comment on va le décorer? Je peux utiliser un trognon de pomme et des baies. Super! Les gars, à table! Mais l'éléphant n'aime pas ce genre de nourriture. Olaf? Oui, je vais goûter. On dirait que le biscuit n'est pas très frais. Olaf, t'as tout mangé tellement vite? Wow. Ça me fait plaisir. Fabrique une coiffeuse avec des vieux morceaux de porte-serviette. Assemble deux pièces. Le plateau de la table est prêt. Peins tout en argenté. Des pierres précieuses scintillent sur le cadre. Le plateau est décoré d'un cordon nacré. Waouh, il y a tellement de belles choses ici. Je vais essayer des fringues. Oh là là, j'adore le luxe. Du maquillage de princesse. Je vais en mettre. Je suis une icône de la mode. Ouais, mon reflet ne ment pas. Waouh! Elsa? Oh! Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi arranger un peu ton look. Thanks. Voilà! Olaf, t'es redevenu comme avant. T'as raison, Elsa. C'est beaucoup mieux comme ça. Enroule du fil de fer pour faire un anneau. Des fleurs sont devenues cuivrées. Fixe des morceaux d'un miroir brisé sur un fond noir. Peins l'arrière en cuivré. Anna se reposait dans sa petite maison. Bruni, la salamandre, elle, était folle. L'animal sautait partout. Oh non, fais attention! Bim! Oh là là, c'est la cata! Oh mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis triste! Désolée, Anna. Regarde ce que j'ai trouvé sous le lit. On va essayer de le réparer. Ok, on va tester. C'est pas mal! Anna peut de nouveau regarder ses adorables taches de rousseur. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo. Abonne-toi à la Lilou. Et viens vite découvrir plein d'autres vidéos sympas avec des poupées.